Bienvenue à tout le monde, notre église Bethariel messianique et à ceux qui sont sur YouTube et sur Facebook aussi. Le groupe d'évangélisation la semaine passée a donné 7 de Bible, 4 Nouveaux Testaments cette fois-là. Et les Juifs ont souvent dit on a déjà l'Ancien Testament et on voudrait avoir le Nouveau. C'est vrai, c'est magnifique. Une Bible a été donnée à un musulman. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et les gentils. Dieu veut sauver tout le monde. La semaine dernière, la jeunesse est allée passer le week-end une journée dans le nord chez Samuel, Karine et le petit Caleb à la maison là-bas. Et une photo ici. On a prié ici en avant à l'extérieur. C'était vraiment touchant. J'ai prié pour eux et les voisins nous ont vus. Alors, on a resté un petit moment à prier comme ça. Les voisins nous ont vus. Not Halloween. C'est gloire à Dieu. Hanukkah. La prochaine fête, c'est quoi? C'est pas Halloween, c'est la Hanukkah. Et c'est la fête de la dédicace. Et on aura un baptême en même temps et ça va être merveilleux. Et quand c'est des jeunes qui veulent se faire baptiser, ça me touche vraiment au cœur de voir ça. Et on va voir, c'est des choses qui vont arriver bientôt. Alors, ouvrons nos Bibles, 1 Samuel, chapitre 2. Vous savez, à nulle part à part dans les Écritures peut-on voir le caractère, les émotions et comment Dieu parle. D'un côté, Isaïe nous a dit qu'on était tellement impressionné par Dieu qu'il a dit on ne peut pas sonder son intelligence à l'Éternel. Et Paul a dit que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. On voit son affection et sa passion dans la parole et il nous dévoile ça à travers les pages de la parole et nous allons voir le cœur de Dieu, les émotions de Dieu et on voit que une des choses qu'on voit, c'est que une des choses les plus difficiles à faire pour Dieu, c'est d'en arriver à être obligé de punir quelqu'un. On voit qu'il attend tellement longtemps, il l'avertit, il veut vraiment pas punir, il attend longtemps. Et on va voir deux fois dans notre texte, Dieu a envoyé des hommes à Élie, le souverain sacrificateur, pour lui dire de se repentir. Et les deux avec des longues phrases d'avertissement. Et quand on lit ça, on se dit, on voit vraiment comment Dieu attend. Pourquoi il n'arriverait pas juste et arriver avec sa colère? Mais non, Dieu n'est pas comme ça. On voit qu'il attend. Peut-être que Dieu s'attendait qu'il y ait au moins un mot de repentance, au moins un désir de se repentir, peut-être pour diminuer le jugement. Mais comme il n'y avait aucun changement, aucun remords, quand le temps arrive, on voit que Dieu, on dirait qu'il envoie son jugement de façon large pour éviter que ça soit trop sur certaines personnes en particulier, mettons, mais il veut, dans le fond, qu'à cause de cette leçon, les gens se repentent. Donc, on voit que il y a eu plusieurs fois dans la parole de Dieu qu'on voit qu'avant de punir, il avertit ou il amène des petits jugements afin que les gens se retournent vers lui. Dieu a toujours donné des raisons pourquoi il amène une punition. Et Dieu, on voit qu'il a tout fait. Il fait tout avant de punir. Et il demande aux gens de leur parler, de lui parler, de venir lui parler. Dieu dit, venez, discutons ensemble. Donc on voit comment Dieu est sensible à ce que se passe dans nos vies. Et ces choses-là sont souvent entre deux périodes de repos. Et on voit quand Dieu parle de ses jugements, il laisse souvent comme une période de repos, une période de grâce, un beau verset pour nous donner de l'encouragement. Et des fois, on se demande pourquoi que Dieu nous donne
tellement de détails, parce que Dieu prend soin des détails, ça l'intéresse. On voit que la plus petite action donne des grandes joies à Dieu, parce que Dieu voit tout. Donc, Dieu s'intéresse aux moindres choses de nos vies. Et nous allons voir ce que l'Esprit de Roi Kodesh dit au sujet de Samuel. Et nous allons voir une croissance spirituelle vraiment spectaculaire, vraiment intéressante. Nous allons voir Samuel dans ce texte. Et nous allons être rafraîchis, nous allons être bénis de la vie de Samuel et de sa croissance spirituelle. On voit au verset 18, chapitre 2, Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Il y a quelque chose de particulier, de différent et même que, presque ironique à propos de ce verset. On voit ici un jeune homme, peut-être à environ l'âge de 12 ans, qui porte un éphod. Et on voit que dans le livre d'Exode et Lévitique, c'était le souverain sacrificateur qui portait cet éphod-là. Et il avait par-dessus les 12 pierres d'Israël qui représentaient tout le peuple parce qu'il était là pour intercéder pour le peuple. Donc, on voit un enfant, un jeune homme qui est là comme un prêtre, qui est là déjà parce qu'il aime le Seigneur et le Seigneur le bénit parce qu'il n'y avait personne dans la ligne de d'Aaron, de Lévi, parce que les souverains sacrificateurs, Élie et ses fils, on l'a vu la semaine dernière, ils étaient comme des gangsters, ils faisaient ce qu'ils voulaient, et on voit que Dieu a choisi Samuel pour que sa parole aille à son peuple. On voit dans l'histoire de l'éphod, si on regarde à travers les Écritures, et on va arriver à suivre une ligne qui va arriver finalement juste au Messie lui-même. On voit que Samuel, que son cœur était droit devant Dieu, et il est considéré comme le premier prophète dans les Écritures. Dans 2 Samuel, on voit que David aussi a porté l'éphod. Quand il a ramené l'arche de l'Alliance, on voit que David n'est pas supposé porter l'éphod. Il n'est pas dans la tribu de Lévi. Il est le roi de Juda. Il vient de Juda comme dans sa généalogie. Donc on voit que Jésus est en même temps le roi des rois, le prophète et le souverain sacrificateur. Et on voit que si vous avez accepté le Seigneur comme votre sauveur personnel, il est votre souverain sacrificateur, il est votre avocat devant le Père. Il nous est dit dans Hébreux, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc, aujourd'hui, c'est un peu difficile de savoir exactement qu'est-ce qu'était l'éphod à travers les études dans l'histoire. On a vu que c'était un vêtement de lin pour montrer l'humilité. Et par-dessus ça, il y avait, comme on l'a dit tantôt, les 12 pierres d'Israël. Il y avait une autre pièce qui allait avec ça. C'est une plaque en avant de la poitrine qu'on porte par-dessus, car il était responsable devant Dieu des 12 tribus d'Israël pour intercéder pour eux, pour prier pour eux, et même prendre la responsabilité pour eux, comme on voit dans le cas du sacrificateur Élie, c'est lui le responsable. Donc, on voit que Samuel, Dieu l'a gardé pour garder la ligne vers les souverains sacrificateurs qui vont amener jusqu'à Yeshua, Jésus, notre souverain sacrificateur. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'informations qui nous est donné des détails pour que Dieu, on voit ici vraiment le cœur de Dieu. Verset 19. Sa mère lui faisait à chaque festival une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice du festival. Donc on voit que quand elle montait pour aller à toutes les fêtes, elle faisait un linge, un genre de robe pour lui,
pour servir le Seigneur parce qu'il était dans le temple de l'Éternel. Pourquoi c'est important? Dieu dit dans sa parole des choses qui sont importantes. Pourquoi c'est important? On voit que dans le proverbe qui nous est dit que les yeux de l'Éternel sont constamment sur les humbles. Et on voit que Anna est devenue comme l'associé de Dieu pour sauver la sacrificature, sauver la ligne des sacrificateurs. Elle s'est commise en donnant à l'Éternel son fils. Et on sait que Dieu entend chaque prière et il a tellement hâte qu'on soit réunis avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu peut presque pas se contenir, il a hâte de nous avoir avec lui. Et Dieu regarde les gens qui veulent suivre ses préceptes et ses lois et ses commandements et il est heureux. Il fait son délice de telles personnes. Alors soyons ces personnes-là pour Dieu. Alors on voit que dans l'histoire d'Israël, trois fois par année, tout le peuple devait monter pour aller adorer dans certaines fêtes. Et c'est à ce moment-là que Dieu a béni Anna parce qu'il lui a donné des enfants après même qui lui a donné Samuel. Il a donné trois fils et deux filles. Cinq enfants de plus, cinq étant le chiffre de la grâce. Elle n'était plus maintenant stérile. Verset 21. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Nous allons voir à travers les versets qui viennent la croissance de Samuel. Oublions pas qu'entre les deux passages qu'on va lire, il y a le passage qui parle des fils d'Élie qui n'étaient vraiment pas corrects avec Dieu. On voit ici au verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc on voit que Samuel, c'était pas quelqu'un qui offensait les autres, c'est quelqu'un qui respectait les autres, qui aimait les autres. C'est la marque d'un vrai évangéliste, c'est la marque d'une personne dont Dieu va se servir, qui est humble, comme il nous dit d'être humble, de ressembler à Jésus, d'imiter Jésus dans sa vie. Donc on voit que dans son jeune âge, Samuel ressemble tellement au quand Jésus était dans son jeune âge. La seule chose qu'on sait de Jésus entre l'âge de 12 et 30 ans, c'est dans un verset, dans Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc on voit c'est presque exactement le même texte que dans Samuel. Ouais, parce que Samuel était comme un type, une personne qui ressemblait à ce que Jésus serait. Dans une plus petite échelle, mais quand même un imitateur de ce que Dieu voulait parce qu'il aimait la parole de Dieu. Donc, on voit que c'est comme ça. Quand on parle de Dieu à quelqu'un, il faut l'aimer comme Dieu l'aime et c'est ce qui fait la différence dans notre témoignage. Donc, c'est un dénominateur commun pour les hommes de Dieu d'aimer la parole de Dieu. Daniel et ses trois amis étaient dans un monde complètement contraire au niveau des enseignements, mais pourtant ils ont mis leur Dieu d'abord et ils ont demeuré, mais Daniel, on voit qu'il a passé à travers plusieurs royaumes et toujours demeuré debout et un instrument pour l'Éternel. La même chose avec Moïse. Toute la richesse des Égyptiens et leurs enseignements ne l'ont pas empêché de mettre Dieu en premier et de même payer le prix pour justement s'occuper du peuple de Dieu. Donc, on voit que Samuel voyait les mauvaises actions de Phinehas et Ophni, mais quand même, il demeurait près de l'Éternel. Donc, il devait voir tout ce qui se passait.
Et pourtant, il amenait une grande différence dans sa vie en comparaison avec ses fils d'Élie. Donc, par sa marche chrétienne, finalement, il se trouvait à accuser les autres juste en vivant de façon agréable à l'Éternel. Ils devaient se sentir, eux, interpellés et accusés par ça. Et Samuel est resté debout et fort pour l'Éternel. 1 Samuel 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Ça, c'est vraiment beau. On voit comment Samuel est devenu un grand homme. Il a appris à servir Dieu en servant d'abord dans son travail, servant Élie. Dans sa position, il avait à servir le sacrificateur, faire des choses dans le temple, et de cette façon, il servait Dieu. Et on voit que Jésus a dit un peu la même chose, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, dans Marc 10, 45. Donc, il s'attend la même chose de nous, de servir dans notre milieu où nous sommes, de servir Dieu de cette façon avant de servir Dieu lui-même. Dieu nous dit de ne pas chercher à servir d'abord, mais d'être humble, de servir là où nous sommes, dans notre milieu. On voit dans 1 Samuel 3, 15 que Samuel ouvrait les portes de le temple de l'Éternel. C'est pas un travail super spectaculaire. Et probablement qu'il y avait à nettoyer la place, à mettre les choses en ordre. C'était son travail. Et en même temps, on voit que Élie devenait de plus en plus aveugle. Alors, Samuel prenait soin de lui, et peut-être pour plusieurs années, avant que justement il en vienne à servir Israël en tant que prophète et comme juge. Encore là, c'est une autre remarque des hommes de Dieu dans la parole. On voit que David était un berger avant de devenir le roi d'Israël. Moïse, la même chose, était un berger avant qu'il soit à la tête de 2-3 millions de personnes à travers le désert. Plusieurs des disciples étaient des pêcheurs avant de devenir pêcheurs d'hommes. Donc, on voit que pour faire comme un Samuel qui disait que dans le fond, qui grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel, dans le fond, c'est comme s'il avait ses reins, la vérité comme ceinture qu'on voit dans le texte d'Éphésiens 6, verset 14. Donc, on voit que Samuel savait comment rencontrer Dieu dans sa parole. Il savait que Dieu parlait à travers sa parole. Samuel avait la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, que Moïse a écrit, et il savait comment le tabernacle devait fonctionner, comment le temple fonctionnait, et c'était son travail, et il était fidèle à son travail. On voit que les Israélites qui ont traduit la Bible dans le Targum qu'on appelle, ont paraphrasé ce texte qu'on a lu. Ils disaient « Samuel grandissait, et la Memra de l'Éternel lui venait en aide. Il ne se sépara d'aucune de ses paroles. » Donc, on voit que la Memra pour les Israélites qui essayaient d'interpréter, de traduire la Bible, il appelait la parole la Memra. C'est pour ça que Jean, dans son évangile, commence que dire « La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. » C'est le Memra dont on parlait à ce moment-là. Donc, on voit que pour Samuel, partout on savait qu'il était un homme de Dieu. Il est dit, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, a reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Donc, on voit, comme vous avez vu sur la carte, du nord au sud, tout le pays savait que Samuel parlait au nom de l'Éternel. Donc, Samuel est aidé par sa mère et ses prières, mais Samuel, dans son travail, a sauvé la sacrificature, a continué la ligne
pour servir l'Éternel de la façon qu'il faut. Et on voit que plus tard, Dieu s'est révélé, lui, personnellement à Samuel. Mais c'était d'abord par la parole de l'Éternel. Et si on regarde la finale de la progression, c'est marqué, la parole de Samuel était dans tout Israël. Donc on voit que la parole dit que c'était la parole de Samuel, que graduellement, en servant Dieu, il parlait au nom de Dieu, et finalement on voit plus tard que la parole de Samuel, c'était la parole de l'Éternel. Il y a une connexion directe et tout le peuple savait qui était Samuel, un homme de Dieu, un prophète de Dieu et un juge selon Dieu. On va aller voir le chemin de Samuel. Dans 2:18, on voit que c'est un jeune homme qui portait l'éphod. Ça, c'est comme un titre du passage qui va suivre. Donc, il portait l'éphod, mais même s'il était très jeune, il apprend à être comme un souverain sacrificateur. Et il marchait avec le Seigneur. Il grandissait auprès de l'Éternel, et un peu plus loin, on voit verset 26 qu'il était agréable à l'Éternel. Et à ce moment-là, il partageait avec Dieu son amour pour les hommes. Et on voit qu'ensuite, son ministère, son travail devant Dieu, que Samuel servait l'Éternel devant Eli, devant Élie. Il a appris à servir, tout comme Jésus a appris à servir quand il était jeune. Il a appris à travailler pour son Père avant d'être vraiment dans le ministère. Et il savait que, comme Paul le dit un peu plus loin dans Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Et comme Samuel ne laissait tomber aucune des paroles de Dieu à terre, donc il était un étudiant et qui mettait en pratique la parole de Dieu. Donc ils sont devenus, lui et sa mère, dans le fond, comme des partners, comme des collègues pour que Dieu se serve d'eux pour parler à son peuple. C'est ce qu'on pourrait appeler une vie merveilleuse, une vie remplie. Mais il y a quelque chose dans la façon que le texte est écrit qui nous parle de Samuel. En hébreu, il y a l'interjection « veut ». Il y a une conjonction qui est au début d'un passage, je veux dire, à, comme conséquence, à, suite à cela, et comme pour faire une comparaison avec ce qui est arrivé avant, et maintenant, voici ce qui arrive. Et voici ce que l'homme que j'aime. Voici l'homme qui me voit. Voici l'homme qui ne laisse tomber à terre aucune de mes paroles. Donc, on voit comment le texte est bâti pour faire des contrastes et montrer qui était Samuel. L'autre chose, c'est que Samuel est un descendant de Korah, dans le fond. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parlé des nombres, c'est qu'il voulait la place de Moïse et d'Aaron, et on a appelé ça l'illusion de Korah, parce qu'il pensait qu'il pouvait passer à côté de l'alignement que Dieu a donné pour conduire son peuple, qui était avec Moïse et Aaron, qui ont voulu passer à côté. Alors, il n'est pas de la tribu de Lévi, Samuel comme tel, il est d'une autre tribu, de descendant de Korah comme tel qui est là, mais on voit que Dieu a décidé de continuer la lignée à travers, même si son passé, sa généalogie à Samuel n'était pas si reluisante dans certains endroits. Pardon. Et on voit que Samuel a appris à aimer même les petites choses à faire pour Dieu. C'est le mot « katan » qui nous rappelle que Dieu voit les moindres petites choses que nous faisons pour lui. Dans notre cœur, Dieu voit ces choses-là, même s'ils ne sont pas des grandes choses. Et les proverbes nous disent toutes les bénédictions que nous avons en suivant l'Éternel. Proverbes 3, 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors,
Tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Dieu cherche toujours des gens à bénir. Pourquoi on passerait à côté de ça? Dieu cherche des façons de nous bénir. On amène de la gloire à Dieu en lui obéissant dans sa parole et dans ce qu'il nous dit, et d'être une lumière pour ce monde. Il y a une histoire qui dit qu'une dame qui vivait dans un haut d'une falaise près de la mer, et elle entendait souvent des marins crier, et le matin, elle pouvait voir des morceaux de bateaux brisés. Et elle s'est dit un jour, faudrait que je fasse quelque chose parce qu'il y a des gens qui meurent en mer parce qu'ils ne voient pas. Donc elle s'est dit, peut-être ici dans ma maison, je mets une petite plante dans le coin de ma fenêtre, là, les bateaux vont voir une lumière, ils vont peut-être être sauvés dans la tempête. Elle a fait ça, et chaque nuit, elle allumait la lumière, elle laissait la lumière allumée toute la nuit. Elle a entendu plus tard par des gens qui ont connu des marins ou des marins eux-mêmes qui lui ont dit qu'elle avait sauvé sa vie parce qu'ils voyaient une lumière et ils voyaient que là était la terre, donc ils n'allaient pas vers les récifs. Et à partir d'une petite lumière, la même chose Dieu peut faire avec un croyant très, très jeune, et même commençant tranquillement, graduellement, peut faire quelque chose de grand, une lumière encore plus grande pour les gens autour de nous. 1 Samuel 2, 23-24, nous allons voir ce que les fils d'Élie faisaient et qui vraiment faisaient de la peine à l'Éternel. Et on va voir comment son père réagissait à leurs mauvaises actions. Écoutez bien. Élie leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? J'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Si vous n'avez jamais cherché un endroit dans la Bible où on trouve une reproche la plus faible, la plus mal faite et fragile et faible, c'est avec Élie. Donc, les actions de son fils, non seulement amenait le tabernacle à être souillé, qui est la présence de Dieu, mais leurs actions allaient jusqu'au ciel et dérangeaient le Seigneur. Mais on dirait qu'Élie n'était pas au courant. Élie faisait peur, il n'avait pas de puissance pour reprendre ses fils. Donc on voit, il leur dit, il aurait dû, dans le fond, fermer les portes du temple. Peut-être ça aurait aidé ses fils à réaliser la gravité de leurs actions. Dieu a déjà demandé à Malachie, par exemple, de fermer ses portes pour des actions encore moins graves que ce que les fils d'Élie faisaient. Ils offraient des animaux malades. Et Dieu a dit à travers Malachie, « Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont pas agréables. » Donc, on voit quelles sont l'utilité de nos actions si notre cœur n'est pas là. On voit aussi dans Ésaïe 1:13, Dieu dit, « Arrêtez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » Dieu dit, « Quand le cœur n'est pas là, ça ne sert à rien de faire des grands sacrifices, faire des œuvres pour lui. Notre cœur n'est pas là. » Et Jérémie dit au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Donc, le souverain sacrificateur Élie ne comprenait pas ces choses-là, et
il a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël en ne faisant rien. On voit que même il appelle ses fils de façon affectueuse, mes fils, oui, c'était ses fils. Mais on voit aussi le texte qu'on a vu la semaine dernière, qui étaient également les fils de Bélial, les fils de Satan, dans le fond, les fils du mal. Donc on voit que les mauvais chefs, les mauvais leaders font sortir le pire chez les gens, alors que les bons leaders font sortir le meilleur chez les gens. Et on voit qu'au chapitre 4, les Philistins ont capturé l'arche de l'Alliance et l'ont gardée plusieurs mois. Le Seigneur a quitté cet endroit. On voit dans le texte de 1 Samuel 2, 29, comment Dieu est directement responsable, pas Dieu, Élie est directement responsable devant Dieu de l'action de ses enfants. Il dit, pourquoi voulez-vous au pied mes sacrifices et mes offrandes? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël? C'est pas Élie qui profitait de tout ça. C'est ses fils qui étaient des voleurs, comme on a vu, qui prenaient des plus gros morceaux et même des morceaux pas cuits. Et donc, parce que c'est sa faute à lui, c'est lui qui est en responsabilité. Un peu comme Jacques a dit dans Jean 3:1, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce qu'on représente l'Éternel et lorsqu'on fait, on enseigne pour Dieu, bien Dieu va nous regarder plus attentivement que d'autres, c'est bien normal. Dans le Malachie 2, 12, l'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Donc on voit que les fils ont amené une malédiction sur eux-mêmes, parce que tout ce qu'on fait, dans le fond, contre Dieu, ça revient contre nous. Alors on voit que c'est ce que Dieu a dit, que ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés, sans que le Père les ait réprimés. Pardon. Donc, qui veut maintenant être leader dans la maison de Dieu? Mais pourtant, c'est une grande chose, parce que nous avons un bon exemple ici de Samuel, qui a été rendu capable de faire parce qu'il était vraiment dans la parole de Dieu. Et Dieu bénit ceux qui ne laissent tomber à terre aucune de ses paroles, qui sont des amoureux de la parole de Dieu et qui écoutent. Obéissent à Dieu. Donc, comme Jean dit, celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas, pêche. De savoir quelque chose et de ne pas le faire est un péché. Ce ne sont pas seulement les actions qui sont des péchés, c'est aussi de ne pas faire une action. Ça, rappelez-vous la première question dans la parole de Dieu, Adam, où es-tu? Mais c'est pas Adam au début qui a pris le fruit en premier, mais Dieu cherche, demande des questions au leader en premier, selon ce que Dieu a fait comme alignement, comme hiérarchie. Donc, Elie Wiesel, qui est un juif qui a été, qui est connu, qui a été dans les souffrances, etc., qui l'a écrit dans un livre, le contraire de l'amour, c'est pas seulement la haine, c'est l'indifférence. Maintenant, on va regarder un endroit où, pour moi, c'est un des endroits les plus touchants de la parole de Dieu. La première chose à regarder, c'est la grande patience de Dieu. Regardez dans 1 Samuel 2, 22. Maintenant, Élie était très âgé. Donc, on voit, c'est quelque chose de significatif. Pourquoi? Parce que suite à ça, il y a le jugement de Dieu. On voit que Dieu a attendu jusqu'à temps qu'Élie soit très âgé. Donc, ça nous montre la patience de Dieu, là. Et Dieu a attendu parce que tout à coup, il y aurait eu une repentance.
Mais il attendait. Peut-être que ses fils aussi se repentiraient, mais rien de ça est arrivé. Il était au bout de la corde, comme on dit. Dieu attend longtemps. Comment ça a pris de temps à Noé pour construire son bateau? 100 ans. Imagine les gens qui passaient à côté de sa maison, qui voyaient le bateau en construction. Il devait leur demander pourquoi tu fais ça? Et sûrement qu'il devait leur dire. Alors, on voit que c'est une manière choc d'évangéliser que Noé avait, mais il les avertissait. La Bible nous dit que Noé est un prédicateur de justice. Donc, pendant des années, 100 ans finalement, et un jour, le déluge est arrivé. Dieu a attendu très, très longtemps. Et Pierre aussi a dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il use de patience. Et Dieu est comme ça, Dieu attend. Dieu attend parce que Dieu n'aime pas punir. N'aime pas, c'est pas que quelque chose qu'il aime faire. Donc, on voit qu'il donne encore plus de temps. Il s'explique même lui-même. Dieu, qui n'a pas nécessairement à s'expliquer, il est Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, mais il dit les raisons. Dieu est dans un sens transparent. Il a dit souvent dans sa parole qu'il ne cachait pas les choses. Il dit les choses. Et avant de punir, encore plus, il avertit pendant longtemps. Et en plus, Dieu, verset 27, il est dit qu'il a envoyé un homme de Dieu qui est allé auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Et on voit qu'il y a comme un transfert ici entre la sacrificature, les sacrificateurs et les prophètes. Et parce que lui arrive, cet homme, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel. » Un homme de Dieu dit les paroles de l'Éternel, pas ses propres paroles qu'il invente. Donc on voit, il donne trois raisons pourquoi il va avoir un jugement. Verset 27-28. Pardon. Je me suis, ne m'ai-je pas clairement révélé à la maison de ton père quand ils étaient en Égypte, dans la maison du Pharaon? Ne t'ai-je pas choisi d'entre toutes les tribus d'Israël pour être mon sacrificateur, pour offrir les sacrifices sur mon autel, pour l'encens, pour porter les fautes devant moi? N'ai-je pas donné à la maison de ton père tous les sacrifices des fils d'Israël faits par le feu? Le premier parle de la révélation de Dieu envers l'homme. C'est le premier pas de salut. Dieu se révèle et l'homme doit répondre. Et c'est une question que Dieu va demander à chaque non-croyant. Ne me suis-je pas révélé à toi? La Bible dit que tous savent que Dieu existe. Ils le voient dans la nature, dans leur conscience. Mais dans le fond, un incroyant, c'est quelqu'un qui dénie cette révélation. La deuxième parle de l'élection de l'homme. Parce que Dieu choisit l'homme pour certaines tâches, une mission, et tous les croyants sont là pour porter des fruits. On voit dans Jean 15-16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Et on voit le troisième, de toutes les bénédictions que Dieu donne. Dieu donne, nous soutient, nous supporte, et pourtant les gens leur tournent le dos. Et pour nous, croyants, cette question peut se poser, pourquoi on perd tellement de temps à s'inquiéter sur des choses au lieu de mettre Dieu en premier pour qu'il fasse son travail et qu'on adore Dieu d'abord au lieu de s'en faire pour des choses. On voit qu'au verset 29, c'est écrit, « Pourquoi foulez-vous au pied mon sacrifice et mon offrande? » Le mot « foulez-vous » en hébreu, c'est « ba'at », ça veut dire de piler dessus, de fouler au pied. Ça, dans le fond, ça veut dire de détester finalement les choses que Dieu nous offre. On pense qu'on va trouver ça quelque chose ailleurs, on va trouver mieux ailleurs. Et Dieu, à un moment donné, dans le travail de Michée le prophète,
parle à son peuple et il dit, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. On voit que Dieu, il dit aussi dans Malachie 1:6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées? Donc on voit que Dieu, même s'il reste au milieu des anges sans nombre, il est dans la gloire, dans le ciel, on voit notre grand Dieu comme un individu humble, nous demande et parle de son cas, il nous pose des questions, il nous dit « En quoi je t'ai pas aimé, etc. » Dieu n'a pas à faire ça, mais on voit la sensibilité, l'amour de notre Dieu ici. Et voici, tel est notre Dieu. Et on voit maintenant le jugement qui va arriver. Il dit, il répète le jugement à travers Samuel. Pourquoi parler du jugement deux fois à travers les choses qu'il a dit à Élie? Et on voit, quand on voit dans Apocalypse, qui nous dit deux fois qu'il va arriver des guerres, etc. On dirait pour que les gens se repentent entre les deux, pour qu'ils pensent à leur repentance. On voit la même chose. Joseph a eu deux rêves avec à peu près le même message. Et deux fois le pharaon a fait un rêve avec aussi le même message, et à cause qu'il a écouté, il a sauvé son peuple de la famine. Donc, on voit Dieu, il n'aime pas ça, punir. Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il aime faire et demeurer là-dedans longtemps. Dieu est plutôt dans la grâce. Il a dit, je n'ai pas de fureur en moi. Il veut que le peuple retourne. Dans Ésaïe 54:7, il dit, quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Donc, c'est à l'homme de retourner vers Dieu et prendre la bénédiction, prendre la chance, le salut que Dieu lui offre. Et Élie est un individu très complexe, comme plusieurs d'entre nous. D'un côté, il fait des choses très, très bonnes, mais de l'autre côté, on a de la misère à reconnaître le même homme qui fait des choses vraiment qui laissent aller le mal. Regardez au verset 20, que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel, et s'en retourna chez eux. Et c'est arrivé. Anna a eu cinq enfants de plus. Quand le jugement a été donné la deuxième fois, il a accepté humblement, verset 18, chapitre 3, il a dit, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Peut-être que c'est ces mots-là que Dieu voulait entendre, c'est que c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui semblera bon. Et j'ai l'impression qu'il s'est repenti à ce moment-là, parce qu'à la fin, quand il a appris les Philistins, après ont pris l'arche de l'Éternel, il est tombé par l'arrière et il est mort. Mais il n'y a pas eu cette réaction-là quand on lui a appris que ses fils étaient morts. Donc on voit la prochaine fois, on va voir des grands changements dans le peuple d'Israël à partir de ce moment-là. On va voir dans les prochaines leçons. Je vais finir par une illustration. Il y avait un jeune adolescent qui avait vraiment un tempérament colérique. Et il était en colère contre souvent, il disait des mauvais mots, etc., contre tout le monde. À un moment donné, son père lui a amené un sac de clous et il a dit, à chaque fois, tu vas faire quelque chose de mal avec tes paroles, avec ta colère, tu vas rentrer un clou dans la clôture. Et les premières journées, il remplissait la clôture de clous, il y avait beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup de clous. Et peu à peu, il y avait de moins en moins de clous et il était content. Un jour, il n'y avait plus de clous. Et là, il a dit à son fils, maintenant, à chaque fois que tu vas faire une bonne chose, tu vas enlever un clou dans la clôture. Et finalement, il n'y avait plus de clou dans la clôture. Et là, finalement, il a pris son fils, il l'a emmené devant la clôture, il a dit, tu as bien fait, mon enfant,
Tu as vraiment progressé. Mais maintenant, regarde, dans la clôture, il y a des trous maintenant. Parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose de mal, même si tu t'enlèves et dis « je m'excuse », les clous restent là. Et c'est comme ça que c'est arrivé aussi dans la vie d'Élie. C'est que ces choses-là sont restées finalement et Dieu a dû amener son jugement. Je vais maintenant prier. Blessed are you, O Lord our God, and the God of our Father, the God of Abraham, the God of Jacob, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield, and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham, and you are the shield of everyone who humbly comes to you with a repentant heart. Today, Lord, we've seen how the action of some disturb you so much. But there again, you are so loving, so patient, not wanting that anyone perishes. How you waited until Eli was old. How you repeated the judgment so that he would notice you. For all these things, Lord, we praise you and we thank you that you reveal your feelings and emotion to us your creation. Bless each and everyone present here and each and everyone who are listening to this prayer. Put your healing hand upon those who are sick and who are looking for you, to you for healing. Rest your spirit on those who are hurting, who are going through a difficult time. Give them hope and joy. Rest your salvation of those who desire it, on those who are seeking you. Let them come and see who Yeshua is, the Savior of the world. And that it is through him that we have access to your glorious throne in heaven. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen, amen. May the Lord bless you all. It's always a privilege to share the word of God with you.